Allez, c'est la motivation du matin, Bruno Marchal, tiens, hop, on y va. Voilà, aujourd'hui, on est dans la nature, ouais. Salut l'hélicoptère, bonjour Cerise et la bande. Bon, allez, ben, vous savez que depuis hier, dans la motivation du matin, voilà, la communauté bienveillante et positive, c'est vous qui vous aidez quand il y a des coups durs, on s'aide, on lâche rien, etc. Bien, on est devenus des pirates depuis hier. Voilà, j'ai décidé qu'on était devenus des pirates. Pourquoi des pirates? Parce que les pirates, alors pas, on va pas détrousser les gens bienveillants, mais non, on va bouleverser l'ordre établi. Non, il n'y a pas de fatalité. Oui, on peut réparer les couples. Oui, quand quelqu'un est en crise, on peut quand même récupérer son couple. Oui, on sait le faire. Oui, on bosse. Oui, on est encore plus fort quand on a fini, qu'on a récupéré son couple, parce qu'on a bossé, on a fait les formations, on a fait les coachings. On est des pirates, on fait évoluer la société tous ensemble. Ok, les pirates, allez. Il faudra que je le mette dans le bouquin là, que je suis en train de finir d'écrire. Je l'appellerai comment sauver son couple, la méthode scientifique. Mais je pense que je vais parler des pirates. Voilà, allez, pirates. Bon, alors les pirates aujourd'hui. Vous savez, il y a une phrase qui est interdite, que j'aime pas trop, qui dit « Ne le prenez pas mal, mais… » Ben ça, faut pas le faire. Pourquoi quand on dit « Ne le prenez pas mal, mais… » Ça veut dire qu'on n'est pas capable de dire les choses correctement, hein, que l'on est sans filtre, on est sans filtre. Eh bien, quand on est un pirate, quand on est un badass, quand on fait partie de la communauté bienveillante et positive et qu'on atteint ses objectifs, eh bien, on n'est pas sans filtre. Alors, on se cache des fois par « Oh, tu sais, moi, je suis cash, je suis honnête. » Ben non, on dit les choses correctement. Oui, on peut dire les choses, évidemment qu'on peut dire les choses. Mais on va dire les choses d'abord quand la personne en face de nous est capable de l'entendre. Ça, c'est important. Quand moi je suis en mode, j'ai le mojo, j'ai la patate, parce pourquoi j'attends? Parce que si je suis vénère, si je suis énervé, si je suis en colère, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon interlocuteur, mon interlocutrice, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, par ses neurones miroirs, ils vont sentir les choses. Donc je ne dis pas les choses comme ça, je suis honnête, je te dis les choses comme ça, ne le prenez pas mal, si la personne peut le prendre mal. En plus on ne donne pas d'ordre, vous savez qu'on ne donne pas d'ordre dans la vie. Peut-être à ses équipes, si on est le capitaine de l'équipe, on peut se donner des ordres à soi-même pour être badass et pour être un pirate, oui. Bon, ça m'est venu ce matin, allez. Non, ça m'est pas venu ce matin, je mens, puisque ça m'est venu il y a 3 jours, là. J'ai dit, tiens, j'en parlerai dans mes vidéos, les pirates. Oui, quand on est un pirate, eh bien, on maîtrise ses émotions, on maîtrise ses pensées. Alors, vous avez les formations pour vous aider. Alors, les formations et les coachings, le coaching pirate, c'est un descriptif de cette vidéo. Ok, vous avez le descriptif, comment avoir avec toutes les formations pour devenir de vrais pirates. C'est-à-dire qu'on va changer la société et vous allez changer le cours de votre vie parce que vous allez récupérer notamment votre couple et vous allez retrouver du boulot et tout ça, si vous n'en avez pas. Ah, à fond, Bruno. Bien, donc, ne le prenez pas mal, je ne veux plus l'entendre. Hein, ne le prends pas mal, mais, surtout le mais. Alors le mais, je ne le veux pas, quand on est un pirate. Bruno dit ne donnez pas d'ordre et puis après il le fait juste après. On se calme Bruno. Non, on dit pas mais et. Alors notre président de la République, M. Macron, nous l'a piqué. Hein. Enfin bon, il a surtout. Alors c'est fait, mais il a trop piqué d'ailleurs comme c'est souvent le cas pour les hommes politiques. Vous savez, M. Sarkozy, il avait piqué aux pirates. Je vais vous le dire, hein. Qu'est-ce que vous pensez d'eux, je vais vous le dire. C'est-à-dire qu'il posait une question, je vais vous le dire. Sauf qu'il le faisait à toutes les interviews, donc au bout d'un moment, on s'est moqué de lui. Et pour M. Macron, c'est pareil, il avait raison. Il disait « et en même temps ». Parce que tout est en même temps. C'est « bon, je suis en crise, et en même temps, je ne sais plus où j'en suis. Et en même temps, j'ai envie quand même, j'ai des regrets. » J'ai des regrets. Vous allez encore me parler de votre fenêtre de regrets. Comment je découvre que mon compagnon, mon conjoint a une fenêtre de regrets? Allez. Je vous fais une formation actuellement, je suis en train de la tourner, elle paraîtra mercredi. Comment reconnaître les fenêtres de regret et comment en profiter? Et oui, parce que 50% des couples qui se séparent, qui sont allés au bout, hein, qui ont divorcé et tout, 54% exactement regrettent d'avoir divorcé. Celui qui a demandé regrette. Donc si vous faites tout bien, s'il y a du badinage, s'il y a de l'humour, etc., motivation du matin, oui, on va y arriver. Donc, je vous fais la formation sur le regret, vous me l'avez demandé. Parce que je vous me dis, dans quelle vidéo tu nous en parles? Dans plein de vidéos. Je vous en parle dans plein de vidéos. Donc, je vous fais la formation, ça y est, c'est parti. Donc, motivation du matin, hein, les pirates, on ne dit pas
Mais, d'accord, c'est très important. Et surtout, la communauté est bienveillante et positive. Ah, je vous parle. Et surtout, on ne dit pas, hein, on n'est pas sans filtre. On ne dit pas, ne le prenez pas mal, mais moi je suis cash, tu sais, non, ça c'est pas bon. Quand on est éduqué, on n'est pas un enfant qui est cash, d'accord. On peut dire des choses, on peut dire, surtout quand on nous demande un conseil, si on ne vous donne pas de conseil, vous savez qu'on dit, on ne dit pas forcément, mais si on donne un conseil, allez-y. Allez, motivation du matin, le mojo, hein, hop. Allez, je vous refais un coup d'hélicoptère, voilà. Allez, vous me mettez aujourd'hui les pirates, tiens, vous savez qu'on... sur les pirates, la communauté bienveillante et positive, on écrit dessous là pour se soutenir, etc., pour donner des idées aux autres, ok. Vous allez dire, tiens, quand c'est que la dernière fois quelqu'un vous a dit ne le prends pas mal, mais, et vous me donnez un exemple comme ça, ça rentrera, ok. Allez, mettez-moi des pouces en l'air pour qu'il y ait de plus en plus de pirates, de plus en plus de personnes sur cette communauté bienveillante et positive, parce qu'on s'entraide. Les coachings, les formations, il y en a plus de 10 maintenant, elles sont que pour vous. Voilà. C'est-à-dire que si elles sont faites, quand vous me demandez des choses en coaching, que ça revient, il faut faire une formation là-dessus pour que tout le monde puisse en profiter et que l'on aille au fond des choses, la prochaine fenêtre de regret. C'est pour ça que je l'ai faite. Pouce en l'air pour que YouTube référence cette vidéo, qu'il la propose à plein de personnes, etc. Ça, c'est bon. On s'abonne à cette chaîne et puis Bruno Marchal, il va continuer à enregistrer la formation et surtout, il vous dit bonne journée à vous.